Yeah.
la paix, pasteur de l'ambonne et pour n'aimer la paix de la paix. Et je vous salue au nom de Jésus. La paix, nous sommes bons et nous sommes bons. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Dans le combat, nous allons lire la vie. Prenons nos Bibles, mettons-nous debout, nous allons lire. De côté, les mots, tout le temps, nous allons lire. Nous avons deux versets à décortiquer aujourd'hui. Nous allons avoir verset Bibalé, la cantique. Nous allons prendre le premier verset sur Marc 14, 32 à 42. Nous allons marquer. Mettons-nous debout pour honorer la parole de Jésus. Oui, s'il vous plaît. Marc 14, 32 à 42. Marc 14. Le frère Christian va nous aider à la lecture. Après, on va lire Luc 9, 28 à 33. Marc 14, 32 à 42. J'ai lu la parole de Dieu. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria. Que s'il était possible que cette terre s'éloigne de lui. Il disait à ma père, « Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois. » Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors. Tu n'as pas pu veiller une heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et il fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis. Car leurs yeux étaient apaisantis. Ils ne surent pas lui répondre. Il revint pour la troisième fois et il leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez. L'heure est venue, voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » La parole de Dieu. On continue à lire, on reste debout. Luc 9, 28 à 33. Luc 9, 28 à 33. Vous voyez la parole de Dieu. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds. Non. Luc 9. 9. 28 à 33. Luc 9, 28 à 33. Luc 9, 28 à 33. Jésus. Environ 8 jours après, qu'il lui dit ses paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'en prenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qui allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus-Christ, les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? On peut acclamer, mettez-moi la parole. Nous avons lu deux versets. Pour la guide, la personne du balai. On parle de deux événements. Le premier événement, c'était l'événement qui s'est passé à Gethsémani. Deuxième événement, c'est l'événement que Jésus était avec les disciples à la montagne. Et il y a eu une transfiguration. Notre thème. Et thème sur les noms. C'est les disciples. Hein, sommes-nous les disciples de Gethsémani ou de transfiguration? Dosali baïe pour les Gethsémani, toi y a transfiguration. Alléluia.
vous allez peut-être me poser la question, maman Sarah, de quoi tu veux parler là, parce que ce sont les mêmes disciples qui étaient à Gethsémani, le même disciple aussi qui était pendant la transfiguration. Je ne parle pas de ces disciples, mais je parle des faits et des choses qui se sont passées pendant ces deux événements. Avant l'arrivée de Christ, la Bible nous dit que Christ a été annoncé. Esaïe a parlé de Christ. De son événement. Comment il sera traîné pour être humilié, frappé. Cela a été préparé. Et Christ avant de venir, et quand il est venu, il était avec les disciples. Il préparait aussi l'événement. Il leur parlait de ce qui allait arriver. Et il y a eu des événements aussi qui se sont passés avant cet événement que Esaïe avait prononcé. Dans tout événement avant d'arriver, il y a toujours des choses qui se passent. Dans le grand événement à ce moment-là, c'était l'arrivée de Christ et sa mort et sa résurrection. Et à tout moment, Jésus est en train de parler aux disciples. Je serai mort. Trois jours après, je serai ressuscité. C'est un grand événement. Et il parlait de cela. Il y a eu des moments qui se sont passés. Il y a eu des étapes qui se sont passées. On l'a accusé. On l'a mis au feu de Pilate. Et il est allé à Gethsémani avant l'arrestation. Tout ça, c'était des événements. Je voulais vous dire aussi cet après-midi, aujourd'hui, nous les chrétiens aujourd'hui, nous avons un grand événement que nous attendons. Un grand événement qu'on ne peut pas ignorer. Dans la Bible, nous dit personne ne connaît ni les jours ni l'heure. Donc pendant que je suis en train de parler ici, la tempête peut sonner. Arrêtons de dire cette phrase, depuis qu'on parle, Jésus revient, on ne voit jamais cet événement. Laissez-moi nous dire encore cet après-midi que c'est un événement vrai et qui va se passer très bientôt. Et avant cet événement, il y a aussi des étapes qui se passent. Il y a aussi des événements avant cela. Il y a aussi des périodes. Il y a aussi des choses. Mais c'est l'ombre de l'avenir que nous attendons. Les choses que nous lisons avant nous montrent ce qui arrive. Écoutez mes frères et sœurs, la Bible que nous voyons, j'ai toujours dit, il n'y a rien de nouveau. Tout ce qui s'est passé, ça se répète. Et le Seigneur nous a laissé cette Bible pour nous donner la référence, pour se référer à la Bible, pour vaincre cet événement, pour assister à cet événement. Il y aura des événements. Et ça se passe déjà. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle sur deux choses. Sommes-nous les disciples de Gethsémani ou de Transfiguration? Je parlais que ce sont les mêmes disciples. La Bible nous dit, Jésus à la coutume, il avait l'habitude de sortir avec les disciples. Il y avait ces trois disciples qu'il aimait beaucoup. Il les prenait pour aller prier. C'était Pierre, Jean et Jacques. Ce sont les mêmes personnes qui étaient avec Jésus à Gethsémani. Les mêmes personnes qui étaient avec Jésus à la transfiguration. Il y a eu des choses qui se sont passées. Il y a eu des comportements qui se sont passés. Il y a eu la façon de faire les choses qui se sont passées. Et le Seigneur est en train de nous identifier. Parce que le temps que nous sommes en train de vivre, c'est un temps où ces deux événements se passent. Il y a maintenant les disciples, les chrétiens de Gethsémani, et aussi les chrétiens de Transfiguration. Et laisse-moi te dire aujourd'hui, tu sauras qui est chrétien de Gethsémani et de Transfiguration. Mais moi, je t'invite en écoutant cette prédication.
action. À partir d'aujourd'hui, localise-toi. Choisis les disciples de la transfiguration. Alléluia. Nous venons de lire Marc 14, 32, 42. La Bible nous dit Jésus est parti avec ses disciples comme d'habitude. Gethsémani, c'est quoi? C'est le lieu où Jésus a prié avant son arrestation. Lieu de son agonie. C'était un endroit où Jésus allait prier. C'était un endroit qu'il avait l'habitude d'aller prier. Vous allez me demander pourquoi maman Sarah tu dis ça. J'ai dit que c'était un endroit qu'il allait prier parce que Juda a su les localiser. La Bible nous dit que Juda a amené les sacrificateurs qui devaient arrêter Jésus là à Gethsémani. Parce qu'il savait que Jésus avait l'habitude d'aller prier là-bas. Marc 1:35, la Bible nous dit. 1:35. Jésus allait prier pendant qu'il faisait encore sombre. Alléluia. Et pendant qu'il allait prier, il partait avec ses trois disciples. Jésus allait prier pendant qu'il faisait encore sombre. Frères et sœurs, quand je lisais ces paroles, c'était Jésus qui était Dieu. Il avait le contrôle du monde entre ses mains. Il savait voir quoi, où localiser toutes choses. La Bible nous dit qu'il voit les fourmis noires sur une pierre noire sous la mer. Il sait compter les cheveux de nos têtes. Donc il est Dieu. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est partout. Mais étant Dieu, la Bible me dit tout il fait ses corps sombre. Il allait prier. Je me dis, ça peut être 4 heures et 5 heures. Je voulais dire à quelqu'un, toi qui as l'habitude de te réveiller à 4 heures ou 5 heures pour prier, continue à le faire. Persévère. Vous savez pourquoi Jésus le faisait? Parce qu'il se réveillait très tôt le matin pour aller prendre la possession de la journée. Et la Bible nous dit, partout il passait, il n'a jamais connu d'échec. À tout moment qu'il s'arrêtait pour guérir, il guérissait. Pour ressusciter, il ressuscitait. Pour arrêter la maladie, la maladie, ça s'arrêtait. Parce qu'il prenait la possession de la journée à 5 heures du matin. Pourquoi seulement à ces heures-là? Il laisse le temps au diable. Il laisse le temps aux sorciers. Il laisse le temps à tout le monde là qui travaille la nuit. Faites tout ce que vous voulez. Arrêtez tout ce que vous voulez arrêter. Faites tout ce que vous voulez faire. Et à 5 heures du matin, à 4 heures du matin, il fait encore noir. La Bible me dit il renouvelle sa bonté chaque matin. Pourquoi pas chaque nuit? Parce qu'il laisse d'abord le temps au diable de faire tout ce qu'il veut. Et le matin, vers 5 heures du matin, pendant que les gens dorment encore, pendant que même les sorciers ont arrêté le travail, ils ont terminé. On a arrêté sa vie. Il n'aura pas d'enfant. Il n'aura pas de mariage. Il ne progressera pas. Il termine vers 3h, 4h. Ils vont dormir. Ils attendent l'accomplissement de leur parole, de leur sorcellerie. Et à 4h, 5h, Jésus se lève. Il dit maintenant, il vient devant le Seigneur. Ils ont fait. Ils ont dit, moi maintenant je me lève, ça ne se fera pas comme ça, j'arrête cela, je me réveille maintenant, je vais guérir les malades, je vais ressusciter les morts, pendant que je vais marcher, je vais manger les gens, je vais changer de l'envers. Il prend la possession, car la Bible nous dit, l'on fouillera les plans de vos pieds, je vous les donne la possession. Dieu qui l'était, il le faisait. Tous les matins. Dans mon et toi et moi.
Que croyons-nous? Quand nous dormons comme nous voulons. Et nous nous réveillons comme nous voulons. Nous marchons comme nous voulons. Frères et sœurs, laisse-moi t'informer. Le montant, la fin. Le diable ne blague pas. Satan ne joue plus. Il sait que son temps est devenu tellement fort. J'étais en train de suivre un témoignage. Un ex-magicien. Il disait comment les choses s'est passées là-bas. Il dit comment le diable s'est fâché. Il dit, moi je n'ai plus de repentance. Moi je n'ai plus de pardon. Pardon, je ne blague pas. Je n'ai pas de temps. Allez les saccager. Je n'ai pas le temps. Personne ne va voir ces dieux. Et moi, nous allons être ensemble. On les a créés. Il les a créés à son image. Pourquoi? Je vais les tuer. Pères et sœurs, Satan est fâché. Regardez le monde. Les choses qu'on trouvait bizarres. Les choses qu'on avait honte de dire devant les gens. Les choses qu'on gardait dans les temps jadis. Moi je me rappelle quand j'étais enfant. Si on vous dit que dans cette parcelle-là il y a des sorciers, vous avez même peur de passer devant cette parcelle. Vous avez peur de la sorcellerie. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui se tient debout, qui vous dit je suis sorcier, si vous blaguez, je vais vous bouffer. Mais ça devient normal. Parce que c'est la fin. Parce que c'est la fin. Les choses qui se font, c'est terrible. Nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Et pendant que le diable et ses agents sont en train de manigancer les choses pour détruire tes enfants, pour détruire ta vie, quand tu dors toute la nuit et tu te réveilles, tu as mis déjà l'alarme. Je commence le travail à 8h. Je veux me réveiller à 7h30. Le temps de me rapidement. Je prends ma voiture, merci, continue à faire comme ça. Continue à faire comme ça. Mais je voulais t'informer. Que tu ne veuilles pas. Il y a des sorciers de ta famille. Ils ont reçu le mandat de te chercher. De te poursuivre. De te tuer. De te nuire. Ils ne dorment pas. Pendant que toi tu te réveilles, tu crois que la force que tu as, le souffle de vie que tu as, le travail et la bonne santé que tu as, tu l'as reçu pour ta force. Tu te réveilles comme tu veux. Tu rentres comme tu veux. Tu dors comme tu veux, attends-toi à une surprise des années. Pourquoi nous cherchons l'éternel en retard? Pourquoi nous attendons les dégâts, les mauvaises surprises pour le chercher? La Bible dit, cherchez-moi pendant que je me trouve. Lui qui était Dieu, il se réveillait très tôt pour aller prendre la possession de la journée, pour aller demander à son père, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Mais nous les hommes, les bois secs, nous pleurons avec nos vies. Nous dormons comme nous voulons. Nous nous réveillons comme nous voulons. Et je dois nous travailler. Je suis retardé. Même pas merci, Seigneur. Mais tu sais ce qu'on a manigancé là. Après quelques temps, j'ai mal. Ça vient d'où ça? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est déjà entré. Alléluia. Si tu étais réveillé à 5h, tu te mis debout. Au nom de Jésus, tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait, ça n'atteindra pas. Ça n'atteindra pas mes enfants. Au nom de Jésus, ça va obéir. Et je prends la possession de la possession. Seigneur, partout je fous les mains de pied, je prends la possession. Alléluia. Le monde que nous attendons, c'est un monde de combat. Si tu ne combats pas, on va te combattre. Si tu ne combats pas, on va détruire tes enfants. On va détruire ta vie. Tu viendras chercher les pasteurs, mais ils sont déjà détruits. Et ça dépend aussi des temps. Ta vie, jeune fille, jeune garçon, tu es en train de dormir. Je vais me marier. Je serai ceci. Je serai cela. Pendant qu'il y a des gens la nuit qui disent que tu ne te marieras jamais. Tu ne mettras jamais au monde. Que tu feras cela. Toi, tu es toujours avec des slogans. On est fatigué avec des slogans. Ça va prier. Ça du bon délit. Je suis l'enfant de Dieu, l'enfant de Jésus, ça ne m'attendra pas, qui dit ce qu'il veut, alors la foi, je veux t'informer, arrête avec les slogans.
Alléluia. Le diable craint les personnes qui vont à la présence des hommes. Prends la décision. Chaque 5 heures. 4 heures. Réveille-toi. Seigneur. Laisse-moi te dire. Les fatigues que tu as là. Parce que le diable sait. Si tu commences à faire ça, toutes tes portes seront ouvertes. Parce que tu prends la possession sur lui. Au lieu que lui prenne des décisions sur toi, tu commences à prendre des décisions sur lui. Alléluia. Gethsémani. C'était comme accoutumé. Jésus appelait ses trois disciples. Ah, c'était les derniers jours. Laisse-moi te dire. Toi qui as l'habitude d'aller à 5 heures du matin. Tous les 5 heures du matin à la présence de Dieu. Vas-y, continue, il y aura un matin, il y aura 5 heures, il y aura 4 heures, que Jésus viendra, que le ciel s'ouvrira, je te vois, tu es fidèle, tu es toujours là dans ma présence, alors je viens maintenant, tu dois passer à l'agonie, je dois te donner ce que tu as besoin, parce que, après cette agonie, après Gethsémani, Jésus a souffert, mais après cela, la Bible nous dit, il a été élevé. Gethsémani. Je parlais des événements. Le monde est en train de traverser des douleurs d'enfantement. Parce que Jésus veut revenir. Avant que Jésus ne vienne, il y aura des événements. Il y aura des choses. Nous sommes en train de le voir. C'est un événement. C'est comme si Jésus avait vécu. Avant qu'il ne vienne, il est allé à Gethsémani. La Bible nous dit qu'il a commencé à pleurer. Seigneur, ça ne va pas. J'ai vu la coupe. Elle est dure. Je ne saurais pas la valer. Si ça dépend, Seigneur, enlève cette coupe. Jésus était en train de souffrir. Parce que Gethsémani souffrait. Ça nous arrive aussi. Nous souffrons. Nous sommes dans le Seigneur. Chaque 5 heures à la présence de Dieu. Chaque 4 heures à la présence de Dieu. Mais nous vivons le contraire de ce que nous demandons. Nous souffrons. Tu demandes à Dieu, Seigneur. Tu m'as dit quitte ce pays. Pour l'autre pays. Tu m'as dit de faire ça. Je l'ai fait. Mais regarde comment les choses se bloquent. Qu'est-ce qui se passe? Enlève cette coupe. Le Seigneur te fait passer par là. Parce qu'il veut que tu sois dans sa présence. Pour après te donner la victoire. Que tu témoignes. Le Dieu que je cherchais chaque 5 heures. La Bible nous dit, comme à l'accoutumée, il est allé là-bas. Avec ses trois disciples. Quand il est parti prier, il les a laissés à côté. C'était maintenant face à face avec Dieu. Parce que c'était un problème de supplier Dieu d'enlever la coupe. C'est pourquoi j'ai toujours dit, Jésus, merci. Parce que si tu avais abandonné cette coupe-là, où serais-je? Où serions-nous avec ce diable de mauvais cœur qui nous fait toujours le mal? Merci Jésus. La Bible a dit qu'il est retourné pour voir les disciples. Les disciples dormaient. Est-ce que quelqu'un peut dire dormez? Les disciples dormaient. Jésus le réveille. Vous n'avez pas pu veillez avec moi. Même une heure. Jésus te demande. Je te donne le souffle de vie. Je te donne la bonne santé. Je te donne le mari. Je te donne les enfants. Je te donne le travail. Mais tu n'arrives pas à passer même une heure du temps. Dans ma présence. Tu commences à me donner les raisons. Le travail, Seigneur. Je suis fatigué. Les enfants que tu m'as donnés. Je suis fatigué. Des préoccupations. Je n'ai plus le temps. Jésus pleure. Il a dit aux disciples. Même pas une heure. Je vous ai montré les chemins. Je vous ai fait manger. Je vous amène ici. Vous n'avez même pas veillé. Une heure seulement. Aujourd'hui, Jésus te demande. Tout ce qu'il t'a fait. Tout ce qu'il t'a donné. Tu n'arrives pas à lui donner. Même une heure. Pas beaucoup. Soyons sortis. Le Seigneur nous laisse toute la journée, toute la nuit, une heure du temps. J'ai en tout cas j'ai l'impression que Dieu a besoin d'une heure dans ma vie. Alléluia. Même pas une heure.
Même pas une heure. Il est parti. Okay. Deuxième tour. Même chose. Aye. Troisième tour. Jésus leur dit. Ça y est, c'est bon. Allez, réveillez-vous. Le temps est arrivé maintenant. Vous allez voir maintenant ce qui va arriver. Frères et sœurs, cherche le Seigneur pendant qu'il est temps. Il y aura un moment où tu chercheras à prendre ton temps. À prier à 5 heures. À prier à 4 heures. Jésus te dira, ce n'est pas le moment. Ils sont déjà là. L'ennemi t'a déjà, il t'a déjà touché. Il t'a déjà volé l'enfant. Il t'a déjà volé ta bénédiction. Ah, combien de fois on nous vole nos bénédictions? Parce que nous dormons. Nous nous fatiguons. Le diable dit à ses agents, laisse-moi la témoigner. Allez leur donner la fatigue. Allez leur donner beaucoup de travail. Beaucoup d'occupation. Qu'ils n'aient pas le temps d'aller vers leur maître là. Parce que quand ils s'approchent de leur maître, leur maître le bénit. Il les donne ce que leur cœur désire. Ils voient ton complot. Alors empêchez-les. Donnez-les le travail. C'est pourquoi les choses qui se passent dans ces pays, ce sont les plans du diable. Dans les jours qui viennent, le travail va commencer à devenir jusque dimanche. Et on va commencer à imposer les gens. Si tu ne veux pas, tu quittes le travail. Parce que le diable est en train de régner. Il dit à ses agents, donnez-leur du travail. Donnez-leur les occupations. Faites-les fatiguer. Envoyez le mouvement. Ils se fatiguent. Vraiment la fatigue. Tu te réveilles, tu n'arrives pas à dire merci Jésus. Je voulais dire que je voulais donner un conseil. Tu sais, quand tu te réveilles, tu veux prier. Ça nous arrive tous. On est fatigué. Seigneur, on commence toujours avec la fatigue. Je te bénis. Seigneur, persévère. Tu vas sentir une puissance, une force qui commence à monter. La voix commence à monter. Le corps commence à s'ouvrir. Oui, Seigneur, tu m'as fait du bien. Voilà, je suis réveillé encore. Je ne sais pas monter la voix. Pourquoi? Parce que tu avais la voix. Tu n'as pas cédé à la fatigue. Les disciples de Gethsemane étaient fatigués. Ils dormaient là. Ils ne faisaient rien. Il fallait même qu'ils demandent à Jésus. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On te voit triste. Parce que la Bible nous dit il était attristé. Qu'est-ce qui se passe? Tu es tellement triste. Il allait leur dire, je vous avais dit, un jour on arrêtera, un jour on les tuera. Le jour en question, si aujourd'hui, c'est pourquoi vous me demandez, alors veuillez avec moi, veuillez avec moi. Non, ils étaient fatigués, ils dormaient. Qui peut m'arrêter? Que tu sois triste ou pas, on est fatigué, on dort. Frères et sœurs, toi qui dors, je t'en prie, réveille-toi. L'Esprit de Dieu te dit, ce message je l'ai eu. J'étais en train de bondir à 5h du matin. Avant-hier, à la ligne que nous prions, j'avais prévu d'autres versets, j'avais prévu d'autres choses. Et pendant que je parlais, une voix me parlait maintenant. Sarah, vous êtes des disciples de Gethsemane. Vous endormez pendant que l'événement veut se passer. C'est pour très bientôt. Regardez comme vous dormez. Seigneur, ça c'est qui l'Esprit? J'ai pris le pic et la fin. J'ai modéré, j'ai privé. J'étais en train de modérer. Les choses montaient dans mon cœur. Les choses montaient. Quand je terminais, j'ai pris mon cahier. Le Saint-Esprit commence à m'inspirer des choses. Ça vient du ciel. Et où tu venais alors? Dieu est fidèle. Je suis en train de pleurer, Sarah. Mes enfants, ils m'ont abandonné dans la fatigue, dans le travail, dans les occupations. Ils me donnent des raisons. Et si moi je leur donnais des raisons, que c'est moi qui vous ai donné tout ce que vous avez, si je les récupérais, vous allez maintenant retourner encore à me chercher. La Bible nous dit, quand les soldats sont arrivés, la première des choses, Pierre a soulevé son épée, Pierre a coupé. Akata. Écoutez, après les sommets, ce sont des dégâts qui arrivent. Jean, c'était le disciple de Jésus. Il marche avec Jésus. Ils avaient la grâce de marcher avec Jésus. Ils avaient la grâce d'être choisis par Jésus. Comme toi et moi, on a eu la grâce de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Le Seigneur nous appelle. Nous sommes à l'église. Nous sommes dans les activités. Nous disons que nous aimons.
Nous disons que nous suivons Jésus. Mais nous dormons. Jésus nous dit aujourd'hui, vous êtes tout avec moi. Mon nom dans vos bouches. Jésus, Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimerons. Nous prêchons. Vous êtes en train de prêcher. Beaucoup de mes serviteurs, ils prêchent. Mais ils dorment. Ils sont en train de prêcher. Il y a certains prédicateurs. Quand ils savent qu'ils vont prêcher, ils ouvrent leur Bible. Seulement pendant la semaine où ils vont prêcher. S'ils ne prêchent pas, la Bible est fermée bien. Jésus a dit, mes enfants dorment. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre soulève son épée. Il coupe. Jésus regarde Pierre. Il prend là. L'oreille. Il y a bien c'est lui qui tue. Moutaboma, parle paix. On va parler paix. Ça dit beaucoup. Mais moi je me dis, la Bible me dit encore. Quand ils se sont approchés de Jésus, quand Judas lui a donné le baiser, Jésus a parlé. Ils sont tous tombés. Je me suis dit, quelqu'un qui fait des miracles comme ça, même jour, les jours de son arrestation. Dans ça, la vie, comme ici, même lui, je m'en colle, il y a du ne doit pas vous interpeller. La Bible me dit encore, le même Pierre, qui dormait, a commencé à suivre Jésus. Il était là derrière Jésus. Il était derrière. Une femme le voit. Pierre, et toi, quand tu étais avec lui. Non. Une femme, après le sommeil, on dit Jésus. Après le sommeil, quand nous dormons beaucoup, nous nions Jésus. Quand nous dormons beaucoup, nous pratiquons des choses qui ne sont pas bien. Tu sais un enfant de Dieu, toi qui prêches, toi qui serves Dieu, prends ton corps, intercesseur, chante. C'est bien de chanter, c'est bien de prêcher, c'est bien de faire tout ça. Mais est-ce que tu dors ou tu pries? Parce que quand tu ne pries pas, tu vas commencer à poser des actes qui vont étonner les gens. C'est lui là vraiment qui prêche. Regarde comment il a parlé. Vous savez, Pierre avait coupé l'oreille avec l'épée. Mais nous nous coupons les gens les oreilles avec nos paroles. Et elle prêche. Tu sais comment elle m'a répondu? Ah, elle prêche. Elle chante à l'église. Regarde comment il m'a répondu. Comment c'est qu'elle, regarde ce qu'elle fait. Regarde son comportement. Regarde comment il répond. Ça, c'est quel genre de chrétien? Parce que tu dors. Tu ne pries pas. Quelqu'un qui prie, le Saint-Esprit est éveillé. Quand quelqu'un te fait du mal, tu veux parler. Le Saint-Esprit te dit, calme-toi. Calme. Ne réponds pas. Calme-toi. Maîtrise de soi. Maîtrise tu te maîtrises parce que tu es éveillé. C'est lui qui prie. Son esprit est éveillé. Et de foi, nous commettons des actes. Nous les regrettons. Tu as commis des actes. Tu es insulté. Tu as péché. Tu es tombé. Tu regrettes ta paix. Parce que tu dormais. Après cela, il a nié Jésus. Continue à dormir. Nous allons nier Jésus. Tu vas poser des actes. Tu vas dans un endroit. Tu fais des choses. Les gens te demandent. Oh, toi tu pries. Tu chantes mon âme. Oh, toi tu es pour mon âme. Non, ce sont les parents, non, on suit les parents. On suit les parents, c'est une chose qui vient de la famille. Non, je parle seulement. Bon, je sens pour santé, c'est pas. Mais je ne suis pas vraiment là dedans. Tu nies Jésus parce que tu te retrouves dans le péché, tu dormais. Tu ne pries pas. Ta prière, c'est seulement quand tu viens à l'église. Ta prière, c'est seulement quand on est rassemblé. Non, frère et soeur. Ta prière, c'est seulement quand on est en ligne. Frère et soeur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pas quelqu'un blague avec nous. C'est pourquoi moi, je suis vraiment de la rigueur auprès des prophètes. Oui, auprès des prophètes. C'est de la rigueur. Si tu n'as pas la vie de prière, ne viens pas me prophétiser. Dieu n'est pas notre ami. Dieu, il parle. Il descend auprès de la personne qui est dans sa présence. Tu n'es pas son ami. Mais le celui qui que tu ne fréquentes pas. Tu ne parles pas souvent. Tu n'es pas tout le temps avec lui. Et il va commencer à t'utiliser comme ça. Non. Souvent nous sommes trop trompés.
Le Saint-Esprit se manifeste dans la vie de la personne qui est dans sa présence. Ils sont amis. Ils commencent à parler. Alléluia. Ma grande sœur, c'est quelqu'un que Dieu utilisait beaucoup. Dieu utilise beaucoup. Il fut amoureux. Les problèmes des enfants à la maison, de la famille, l'avaient tellement troublé. Elle n'arrivait plus à prier. Si elle ouvre la bouche, elle la ferme. Seigneur, qu'est-ce que je veux dire? Elle voit les réalités de la maison. Elle commence à s'endormir. Dieu commence à lui parler. Dieu commence à envoyer des prophètes. Dis ta thèse. Qu'elle se réveille. Si elle ne se réveille pas, elle voit les choses que le diable a fait. Elle dit, Seigneur, je suis fatigué. Je vais te servir comment? Avec toutes ces réalités. Dieu lui a prié. Et tous les temps, elle était bloquée. Tous les temps, elle prophétisait. Elle avait des songes. Elle avait des messages. Des discernements. Tout était bloqué. Elle commence à demander à Dieu. Seigneur, mais là, je ne vois plus rien. Tu ne parles plus. Je veux te parler. Comment toi, tu ne cherches plus. Tu n'es plus dans ma présence. Tu me donnes tes explications. Tu me montres tes problèmes, tes préoccupations. Moi, c'est sur le mien. Il y a mes âmes qui sont en train de mourir. J'ai mis mes dents en toi. Au lieu de les appliquer, tu les caches à cause de tes problèmes. Reste comme ça. Un jour, le Saint-Esprit commence à lui parler. Toi, tu ne sais pas que ta bénédiction est liée à tes dons. Tu ne sais pas que la délivrance de tes enfants est derrière ces dons-là. Les dons que je te donne, c'est à partir de ces dons que je vais commencer à te montrer. Ton enfant ici, son problème, c'est ça. Ton enfant ici, son problème, c'est ça. Ce qui t'arrive, fais attention, il y aura ça, il y aura ceci. C'est derrière ces dons-là. Tu es en train d'étouffer ces dons. Ça ne fonctionne plus. À cause de ta fatigue, à cause de tes raisons, tu ne pries plus. Elle s'est réveillée. Elle dit, Seigneur, pardonne-moi. Elle a commencé à chercher. Dieu lui a dit, appelle ma servante. Elle va prier pour toi. Elle a prié pour moi. Elle a prié ma biche. Prie pour mes dons. Seigneur m'a parlé. Elle m'a dit d'oublier tous les problèmes que j'ai. Je dois revenir dans ses pieds. Il faut qu'il commence à réactiver mes dons. À m'utiliser encore. Ils ont fait 3 jours de prière avec moi. Le 3e jour, tu es descendu. Elle a prophétisé. Des choses vraies. J'ai dit waouh, je la reconnais. Et au moment où je vous parle, si vous parlez avec lui, waouh, magnifique. Je l'ouvre. Lui ouvre les yeux, elle va tout bien, elle t'explique. J'ai prié avec elle avant-hier, elle m'a donné des révélations que je lui avais cachées. Il sera, je vois ça, se dit, oh, c'était dit, que Dieu te bénisse. Ça se passe quand ça, c'est comme ça. Alors, puis, Dieu a commencé à l'utiliser. Et elle m'a dit, depuis que je suis réveillée, je fais un constat. Les problèmes qui me dérangeaient là, j'ai l'impression que ça prend des solutions seules. Les enfants qui me dérangeaient, eux-mêmes sont retournés à l'église. Ils ont repris le travail de l'église. Ils ont pris tout en main maintenant. Je me demande, ça s'est passé quand? Pendant que je parlais, ils ne voulaient même pas m'écouter. Et maintenant là, je ne parle plus. Moi, Seigneur, je suis éveillé maintenant. Regarde maintenant ces enfants. Ils commencent à servir Dieu. Dieu commence à donner des solutions à chaque chose, à son temps, avec facilité. Et je me rappelle quand tu as commencé à lui parler. Il lui a montré la source des choses. Frères et sœurs, Pierre, Jacques, Jean, ils n'ont pas saisi cette occasion. Ils n'ont pas saisi l'opportunité d'être éveillés avec Jésus. La Bible me dit, pendant qu'il priait, les larmes et les sueurs de son front. Les sueurs de son front sont devenus comme des grimoires de sang. J'ai connu dans la Bible. Il y a eu seulement un moment que Dieu a transformé l'eau en sang. C'était le temps de Moïse. Mais ce jour-là, la sueur de Jésus s'est transformée en sang. Donc c'est un problème de sang. Si les disciples étaient réveillés, ils allaient voir ce miracle-là. Ils allaient se dire, c'est un Dieu. C'est un Dieu. Comment les sueurs se transforment en sang? Et ça allait leur donner la force. Même si les soldats venaient, ils diraient, on va les suivre. Il est Dieu. Celui dont les cieux se
choses ensemble, il est capable de tout. On ne va pas perdre vous. On va les suivre. Tirez-nous aussi. Parce qu'ils étaient éveillés. Ils allaient voir la gloire de Dieu. Jésus leur avait, le privilège de vivre les derniers miracles. Les derniers miracles de sa femme. Mais ils sont endormis. Laisse-moi te dire, nous vivons les temps de la paix. Le Seigneur est en train de chercher les gens qui seront éveillés pour leur montrer les miracles que les gens ne peuvent pas voir. Que les gens ne peuvent pas voir. Qui sont éveillés? Qui veulent se réveiller? Si les disciples étaient présents, je crois qu'ils verraient des gloires, qu'ils verraient des choses, et allaient leur donner la force. Parce que la Bible nous dit, les anges étaient descendus pour les fortifier. S'ils étaient là, ils allaient en bénéficier. Ils seraient aussi fortifiés. Ils allaient suivre Jésus partout. Mais comme ils dormaient, ils ont fui. La Bible nous dit, quand on a arrêté Jésus, ils ont fui. Quand le problème t'arrivera, quand l'ennemi de ta vie s'élèvera, quand on attaquera tes enfants, tu fuiras. Tu fuiras. Tu feras des gaffes. Je voulais dire à quelqu'un, souvent quand tu tombes, des bêtises que tu fais, tout ce que tu fais là-dedans, parce que tu dors. Regarde quand tu pries beaucoup. Regarde quand tu es dans la présence de Dieu. Tu sens une vie de sainteté. Tu pèches moins. Si tu veux pécher, le Saint-Esprit s'est révélé. Non. Tu m'as cherché le matin. Je t'avais expliqué. Tu ne peux pas faire ça. Tu vas dire que tu retournes. Chrétien de Gethsémani. Somme de chrétien de Gethsémani. Le Saint-Esprit m'a dit. Oui, mais ça va. Les chrétiens sont les chrétiens de Gethsémani. Les pasteurs. Les chantres. Les intercesseurs. Les qui se disent chrétiens, partout. Ils dorment. Je ne les vois pas dans ma présence. Être dans la présence de Dieu. C'est pas seulement dire que tu dois venir ici. C'est pas seulement dire que tu dois prier avec les gens. Toi-même, à l'école, tu es là devant les professeurs. Quand les professeurs n'entrent pas encore, au lieu de te parler avec les amis, tu les calmes et fermes les yeux. Comme si quelqu'un dormait. Dans le cœur, tu es Seigneur. J'ai besoin de toi. Le monde est dans le chaos. Ne m'abandonne pas. Saint-Esprit, assiste-moi. À l'école, mes études, assiste-moi. Dans ton travail, Seigneur, je suis en train de travailler, mais j'ai besoin de toi. Toujours être dans ta présence. Préserve ma bouche, préserve mon cœur, mes oreilles, que je n'entende pas n'importe quoi, que je ne fasse pas ce que le monde veut que je fasse, mais que je fasse ce que toi tu veux que je fasse. Oh Seigneur, alléluia. Disciple de Gethsémani. Mais la Bible nous dit bien la leçon dans Luc. D'ailleurs, Luc 28. Luc 28. Alléluia. Luc 28. 9. 9, 28. Attends. La Bible nous dit, comme à l'accoutumée. Vous avez déjà lu, mon frère? On a déjà lu ça. Luc 9, 28 à 23. À 33. La Bible nous dit, comme à l'accoutumée. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et dans le cas où il a Jésus a dit Pierre, Jean et Jacques. La Bible dit qu'il monta sur la montagne pour prier. Comme d'habitude. Et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenir avec lui. C'était Moïse et Élie. Qui apparaissant dans la gloire parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Regarde maintenant. D'entendez. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Pierre et ses compagnons étaient apesantis par les sommets. Vous savez, les sommets existent. J'ai connu une maman. Elle disait souvent, si elle dort, tu la réveilles à l'église. Il y a Tika.
Même si tu es alléluia. Quand le sommeil se présente, tu peux. Le sommeil était Dieu. Il te prend. Moi je ne résiste pas devant le sommeil. Peu importe où je pars. Quand il se présente, tu pars. Ok. La Bible nous dit encore avec Jésus. Les mêmes disciples. La Bible nous dit Pierre et ses compagnons étaient apesantis par les sommeils. Nous sommes en train de vivre le temps d'apaisantement de sommeil. Les choses qui se passent dans le monde. Fais dormir les gens. Au lieu de chercher Dieu, les gens sont là dans les internets. Réservez la gloire. Réservez les miracles. Les morts ressuscitent. Mais s'il est mort là, ressuscite. Et qu'il n'a pas Christ. Quand il va mourir, il va mourir. Ça sert à quoi? Pourquoi cette gloire? Pour où est-ce qu'on va amener ça? Pour montrez aux gens Jésus. Regardez le sommeil. Le sommeil est entré à l'église. Les distractions. Distraction. Les chrétiens veulent voir. Aller là où un pasteur, avant de prêcher, lève-toi. Viens ici. Comme tu es là, je vois toute ta vie. Tu es né d'un père qui était alcoolique. Et aujourd'hui, Jésus t'a dit, reste dans les mains. Soyons sérieux. Si tu parles avec la personne, il n'a jamais reçu Christ. Mais tu verras dans tes églises. Plein. Frères et sœurs. Moi, je veux laisser ma maison. Aller à l'église. Pour que me dise seulement ce qui va m'arriver, ce qui va m'arriver. Pourquoi ce Dieu ne peut pas se me dire? Ou bien, je vais à l'église pour attendre seulement les vies des gens. Un homme de Dieu qui prend le temps. Une heure du temps. En train de prophétiser pour les gens. Et après, adorons Jésus. Il est la bataille. Pouf, amen, il rentre à la maison. Jésus-Christ est là. Les sommeils. On a besoin. On est dans le temps. Nous convenons à l'église. La parole est prêchée. La personne rentre juste. Mais comme je suis là, Jésus reviendra. Je mourrai aussi. Et après, mon âme. Mon âme, laisse-moi t'informer. Quand tu mourras, ton âme se présentera seul devant le Seigneur. Tu ne seras pas avec ta mère, tu ne seras pas avec ton père, ni ta copine, ni ta femme, ni ton mari. Même si vous mourrez le même jour, même accident, vous mourrez sur place. Vous deux, chacun se présentera. Quand quelqu'un entend ça, bon. Je dois me préparer pour rencontrer. Seigneur, pardonne-moi. Ces jours-là, je veux te voir. Mais il n'y a plus dans les églises. Et ajouter les églises, la mission. Alléluia. Jésus fait grâce. La Bible nous dit qu'ils étaient apesantis par le sommeil. Frères et sœurs, qu'est-ce qui t'apesantit? C'est le travail. C'est quoi les enfants? Les réalités de la vie? Les déceptions? Qu'est-ce qui t'apesantit? Tu te réveilles à 5 heures pour prier. Tu n'arrives plus. Si ton téléphone sonne, tu décroches à 4. Je me remercie. Qu'est-ce qui t'a pesanti? Tu pries à 12h. Toi-même, tu as mis l'alarme dans ton téléphone. À 12h, je vais prier. Quand le téléphone sonne. Qu'est-ce qui t'a pesanti? Les sommeils. Aujourd'hui, le Seigneur te supplie. Le Seigneur te demande. Réveille-toi. La Bible nous dit quoi? Regardez la suite. Pierre et ses compagnons n'étaient pas présentés par les sommeils. Mais, est-ce que quelqu'un peut dire dans l'assemblée, mais
Quelqu'un peut crier mais. Mais. Quelqu'un peut crier mais. Mais. Je voulais te dire, toi qui dormais, aujourd'hui il y a un mais qui entre dans ta vie. Mais. Et quand on parle de mais. Soit dans ma mais. La phrase change. L'homme mal homme est changé. La situation change. Ma cam est changée. À tout sens. Ma cam est comme un pizza. Oui, j'étais pressenti par les sommeils. Ma qui l'a promis. Mais. Mais laisse ma mais. Mais déjà. Mais. Dans ta vie, quand il y a mais. Dans un point positif négatif. Dans tes sommeils, dans ces sommeils qui t'emportaient. Tu as commencé à négliger les choses de Dieu. Tout ce que tu voulais faire pour Dieu, tu as tout négligé. Et quand tu dis toi-même mais. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit dans cette salle, le Saint-Esprit qui m'a parlé, il est témoin. J'ai transmis ce que j'ai reçu de lui. Il est en train de te regarder. Il entend que ton cœur dise mais. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est en train de te regarder. Ces jours-là, le Saint-Esprit te montrera cette journée. N'est-ce pas que je t'avais parlé? N'est-ce pas que je t'avais prévenu? Tu n'as plus à me donner comme raison. Le Saint-Esprit est là. Il regarde ton cœur. Il regarde ta vie. Il sait comment tu l'as abandonné. Comment tu t'es refroidi. La Bible nous dit ce que je. Toi, l'amour que tu avais, tu l'as abandonné. Le Saint-Esprit te demande, réveille-toi. La Bible me dit, mais c'est dans tes nuits éveillées. Bah, c'est dans tes nuits éveillées. Alléluia. Ils étaient apaisantis. Ils étaient apaisantis par le sommeil. Mais c'est dans tes nuits. Les disciples, les mêmes disciples, à Gethsémani, ils n'ont pas pu se lever, ils n'ont pas pu tenir. Les mêmes disciples là, à la montagne de la transfiguration, ils étaient éveillés. La Bible nous dit, étant tenus, éveillés. Frères et sœurs, aujourd'hui, si tu prends la décision de te tenir éveillé, de te réveiller, de se dire à partir de maintenant, chaque 5 heures, je vais commencer à me lever, peu importe la fatigue, peu importe le travail, peu importe, et tout mon corps, écoute mon âme. Écoute, mon esprit, écoute, je veux me réveiller pour parler avec mon Dieu, pour parler avec mon Seigneur, pour prendre la possession de la journée. Quand tu vas te réveiller, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit quoi? Jésus bon, étant, c'est tant élevé, ils virent la gloire de Jésus. Alléluia. Ils virent la gloire de Jésus. Et les deux hommes qui étaient avec lui. Et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient, Jésus, Pierre nous dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons-toi tente. Une pour toi. Une pour Moïse. Une pour Élie. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Elles ont acclamé le Seigneur. Faisons-toi attendre. On quitte pas ces gloires.
Écoutez, quand tu es éveillé, la gloire de Dieu descend. Les gens vont commencer à te suivre. Ils vont commencer à te demander des leçons de tante. On veut rester chez toi. Nous, on veut demeurer chez toi. Il y a de la gloire dans ta maison. Les choses que nous voyons dans ta vie, ça nous épate. Ton Dieu est comment? Il est merveilleux. Moïse ne connaît jamais plus. Élie ne connaît jamais plus. Mais on les a vus. Maman, c'est toi. On reste avec toi. Quand tu es éveillé, la gloire de Dieu descend. Tu reçois cette gloire. Ça tire la bénédiction. Ça tire le mariage. Ça tire le bébé. Ça tire les enfants. Ça tire les choses que nous cherchons. La gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se tester? Arrêtez de fatiguer les hommes. Prie pour moi. Oui, nous sommes là pour ça. Nous allons le faire. Il y a des choses. Il y a des démons. Où Jésus nous dit, ça demande déjà de lumière. Nous allons intervenir. Mais à propos de nos vies, la réalité de nos vies, quand tu vis la gloire de Dieu, imaginez-vous, dans ce moment-là, Élie et Moïse étaient là. C'est qui les pierres voyaient. Si les sacrificateurs, les soldats, là était venu. Est-ce que les pierres allaient avoir peur d'eux? Est-ce que Pierre allait avoir peur d'eux? Cette gloire-là qui régnait là. Gloire voilà. Quand la gloire de Dieu descend. Quand la gloire de Dieu te saisit. Tu n'as pas peur des démons. Tu n'as pas peur des sorciers. Tu n'as pas peur de tous ces mondes-là. Qui t'entourent. Tu n'as pas peur de tes réalités. Tu n'as pas peur de ce que tu vis. Tu dis ce n'est qu'un temps. La gloire que je vis n'est pas cette réalité. La gloire que je vis est au-dessus de cette réalité. Jésus, je te vois comme tu es là. J'ai eu la grâce de voir Élie. J'ai eu la grâce de voir Moïse. Pourquoi pas avoir la grâce de voir tout ce que mon cœur désire. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut dire au Saint-Esprit, j'ai compris. Prenez cette prédication au sérieux. Il y a certaines choses qui sont dans mon cœur. C'est dans la présence de ce que tu es raconté. Ce n'est pas en parlant. Ce n'est pas en faisant des acrobaties. C'est dans la présence de Dieu. Quand la gloire de Dieu descend, il arrange ton cœur. Il donne la paix dans ton cœur. Il change ton cœur. Tu commences à aimer tes ennemis. Tu commences à leur faire du bien. Tu commences à être quelqu'un de bien. Les gens vont commencer à se poser des questions. C'était un méchant type. Il était compliqué. Il était bizarre, mais tout d'un coup, il change, il devient gentil, génial, social. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la gloire de Dieu. J'ai toujours dit aux jeunes filles, j'avais parlé à une jeune fille, elle m'a appelé, elle était en train de pleurer. Comment ça va pour moi? Je suis fatigué, regarde ce rêve que j'ai. Je veux me marier, je veux ceci, je veux cela. Je l'ai entendu, quand elle a terminé. J'ai dit, maman, je n'ai pas quelque chose à te donner. Je peux beaucoup crier. Tu m'attends à toi. La Bible nous dit, Dieu fait ce qu'il veut. Quand il veut, à qui il veut, il est libéré. C'est à nous d'aller toucher Dieu. Il faut qu'il les gens qui étaient guéris, les gens qui recevaient des choses après des choses, il les cherchait. Je ne sais pas dans la Bible si quelque part Jésus est allé dans une maison sans qu'on l'appelle. Il lui-même il dit aux disciples, allons-y dans cette maison-là, il y a une malade, on va les guérir. Mais que c'est rien là. Si Jésus allait quelque part. Alléluia. Amen. Si il y en a, donnez-moi ces versets. Un jour, Jésus se réveille le matin. Il dit à Jean-Jacques, Pierre, accompagnez-moi. Au fer, voilà. Il y a une dame. Elle souffre du cancer. Ça ne s'est jamais fait. La Bible nous dit, les gens le cherchaient, les gens le suivaient, les gens le cherchaient. La femme qui perdait le sang, elle s'est décidée, elle s'est éveillée, dit aujourd'hui, peu importe ma malédiction, si on va me tuer, on me tue, je me vais, je vais toucher ça. Jésus a senti de gloire sortir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut sortir à Jésus sa gloire? C'est pas avec ses slogans. C'est pas avec la parole. Je suis enfant de Dieu. C'est pas que tu dors, tu te réveilles.
J'ai dit à mes enfants, j'ai parlé avec ma fille. J'ai dit, moi aussi, je cherche mon éternité. Yaya, il ne faut pas te dire que maman prie pour moi. Non. Le Seigneur t'a dirigé. Prie pour toi-même. J'ai dit à la sœur là. J'ai dit, ma chérie, je vais prier pour toi. Tu sais ce que je veux te dire. Je vais te demander. Lève-toi. Commence à chercher. Lucas. Quelle onction? Ne demande plus le mariage. Pas la télé. Ne demande plus les biens, tout ce que tu as besoin. Tout ce qui te fait pleurer. Oui, abandonne ça. Tika, bon. Merci Jésus. Merci Jésus. J'ai dit abandonne ça. Tika, nyoso. Abandonne tout ça. Nyoso, tika, oublie bon. Cette réalité. Oh, commence à chercher la gloire. Commence à chercher l'onction. Écoute-moi. L'onction active. L'onction active. L'onction active. La gloire active. Commence à chercher la gloire. Tout ce que tu m'as raconté. Nyoso, tu m'appelleras. Maman, regarde. Merci Jésus. Merci Jésus. Et quand je parle avec elle, elle a reçu la parole. J'ai prié pour elle. J'ai dit, je ne prie pas pour toi. Pour le mariage. Pour tout ce que tu m'as dit là. Je le ferai jamais. C'est pas moi qui donne le mariage. C'est lui qui donne le mariage. C'est pas au-dessus. Invoque-le. Demande l'onction. Demande la gloire. Ça va te donner tout ce que tu as. Elle a dit, merci. Merci. J'ai prié pour elle. J'ai dit, Seigneur, relève-la. Qu'elle se réveille. Au moment où je vous parle, c'est une sœur parmi les sœurs, parmi les jeunes filles qui aimait le monde, qui aimait s'habiller, qui aimait apparaître. Elle a écouté. Elle a dit, maman, merci. Et puis moi, j'ai oublié. Quelques temps après, je vois un réveil à elle. Je commence à entendre des échos. Elle fait des prières. Mais ils ont crié à vous. Elle prie. Elle prie. Pas Dieu commence à l'utiliser. Dieu commence à l'utiliser. Je dis non. Je l'ai appelé. Je dis Yaya, qu'est-ce que j'entends? Je dis maman Sarah, Jésus est bon. On va me parler du mariage. Je dis la gloire de Dieu est merveilleuse. Quand je commence à prier, Dieu m'ouvre les yeux. Je commence à voir les choses. C'est merveilleux. Et le mariage. Ah, maman Sarah, je n'en parle même plus. Alléluia. Et Dieu commence à l'utiliser fort. Dieu l'a même utilisé pour moi. Je m'inquiétais de quelque chose. Je n'ai dit à personne. Elle m'appelait. Maman Sarah. Je priais. Je me montrais une image. Je t'ai vu. Tu disais ça, tu disais ça. Dieu m'a dit ça. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Il dit, toi, calme-toi un peu. Dosez. Et tu n'en as pas mon numéro. Alléluia! La gloire de Dieu! Quand elle descend, elle change ta vie! Comme elle est là, elle ne parle plus de mariage. Et Dieu a commencé à faire des grâces. Après avoir reçu cette gloire, la première des choses, on l'appelle au travail. Toi là, tu travailles tellement bien. On te donne comme chef du groupe. Et on te donne les CD. Premier témoignage. Elle m'appelle maman. C'est des écouilles, une main. Tu vois, Dieu te connaît plus que toi. Toi, tu cherchais le mariage. Mais Dieu sait que pendant le mariage, on a besoin d'argent. On a besoin de ça. Il faut qu'il te donne d'abord un travail fixe. Quand tu auras ce mariage-là, c'est Dieu qui te connaît plus que toi-même. C'est pourquoi je t'ai dit, cherche la gloire de Dieu. Regarde la gloire de Dieu. Elle prie, elle normalise les choses. Elle fait les choses en. En ordre. Elle sait que tu as besoin de ça d'abord. Après, il va donner ça. Après, il va donner ça. Ah, elle a crié Amen, maman. Il y a une jeune fille. Il y a une jeune fille cette année. Ah, il y a une jeune fille. Va prendre la décision. D'oublier ses prières. Il y a un frère. Il y a une soeur. Il y a un papa. Il y a un maman. Dans cette salle, vous qui me suivez là, il y a des gens qui peuvent prendre des décisions. De se lever. De se veiller. De chercher la gloire de Dieu. De chercher l'onction de Dieu. Saint-Esprit, je te bénis. Saint-Esprit, je te bénis. J'ai transmis ce que tu m'as dit.